Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Content de vous retrouver en cette fin de semaine. Que Dieu vous bénisse. On continue notre histoire avec euh, la vie de Joseph toujours. Genèse 39 verset 3. Son maître vit que l'éternel était avec lui et que l'éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Amen. Son maître vit. Il vit quoi? Il vit qu'en fait Joseph était un homme différent des autres. Pourtant, il avait de multiples esclaves, de multiples serviteurs dans toute sa maison, dans toute sa propriété. Et il y a un moment donné où la vie de Joseph va faire toute la différence. Dans tous ceux qui sont là, il va le regarder travailler, il va le regarder faire, il va le regarder entreprendre, il va regarder en train de faire tout ce qu'il est en train de lui dire et eh bien lui donner comme mission. Et à chaque fois, Joseph va avoir de la réussite. Donc, c'est un homme qui prospère dans tous les domaines de sa vie. Et en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, ceux qui sont autour de nous voient qu'il y a une différence dans notre vie et que le Seigneur, à travers nos vies, est en train de produire du fruit, du fruit que les autres n'ont pas et il nous rend prospère. La prospérité de Dieu, eh bien, dans notre vie, la présence du Saint-Esprit en nous, va faire toute la différence au quotidien. C'est pas seulement quand on est dans l'église, c'est au quotidien, que ce soit dans notre famille, que ce soit sur le lieu de travail ou ailleurs. Il y a une différence qui s'opère parce que nous, nous marchons pour Dieu et avec Dieu et que Dieu est avec nous. Et c'est ce qui va faire aussi la différence dans la vie de Joseph. Quelles que soient les missions que Dieu peut te donner, mon frère, ma sœur, quels que soient les objectifs, les projets qu'il peut faire naître dans ton cœur, euh, Dieu est avec toi et il te fera arriver à bien dans tout ce que tu vas entreprendre pour lui dans josué on voit que dieu va dire à josué dès le départ quand il va rentrer dans son ministère et qui va amener le peuple d'israël à conquérir tout, tout le pays d'israël eh bien il va lui dire eh bien ne t'en détourne ni à droite ni à gauche de ma parole médite la jour et nuit pratique la et tu verras que tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre parce que à ce moment-là je vais être avec toi parce que tu vas suivre ma parole quand tu appliques ton cœur à suivre la parole de Dieu, à suivre les directives de Dieu, à suivre ce que le Saint-Esprit est en train de t'indiquer dans ta vie, tu es sûr à 100% que le résultat va être positif. Parce que tu es en train de pratiquer la volonté de Dieu et que la volonté de Dieu a toujours le dernier mot en toute chose. Donc, quel que soit ce que Dieu est en train de te donner de faire, Dieu va te donner les moyens de parvenir à ce que tu es en train de faire pour lui. C'est lui qui donne le vouloir et le faire. C'est en lui que se trouve le mouvement et l'être. Donc Dieu était avec Joseph de cette manière-là parce que Joseph était attaché au cœur de Dieu et c'est ce qui faisait toute la différence. En fait, ce qu'il y avait à l'intérieur du cœur de Joseph, cet amour pour Dieu, cette foi en Dieu, le justifiait auprès de son maître et de tous ceux qui étaient là en train de le voir vivre. Et il y avait toute une différence. La parole de Dieu dans ta vie... C'est ce qui fait toute la différence. Son esprit en toi, c'est ce qui fait toute la différence. Parce que la Bible nous déclare que dans 2 Timothée 1,7, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, donc un esprit de peur, un esprit de crainte, un esprit de limitation que Dieu t'a donné. Mais c'est l'esprit de Dieu, un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Et cet esprit, s'il prend, eh bien, toute la dimension qu'il a dans ta vie, si tu te laisses conduire et que c'est lui qui te mène dans les missions qu'il a préparées pour toi, alors il y aura toujours la réussite au bout. Le troisième point, la troisième chose qui est dans ta vie et qui te permet de vivre la réussite, c'est la foi. Hébreu 11.1, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette foi-là qui est active en toi va te permettre de saisir les réalités spirituelles que Dieu met devant toi. Et qu'à chaque fois que tu feras un pas pour servir Dieu, Dieu va t'éclairer à ce moment-là et te montrer ça, crois-le, c'est à toi et tu vas le vivre. Ne doute pas dans ton cœur, et peut-être en ce moment tu es dans une période de doute, et que tu remets en question ce que Dieu est en train de te faire vivre. Non, ne remets pas en question ces choses-là, balaye les mensonges de l'adversaire et applique ton cœur à croire et à pratiquer ce que Dieu t'a dit de faire. Et tu verras la réussite arriver au bout. Le quatrième point, et j'arrêterai là pour aujourd'hui. Ta force c'est dans ta relation avec Dieu. Ne t'inquiète de rien, nous dit les Écritures Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ. Amen. De ta relation va découler le reste. Ta relation va t'amener à écouter, à comprendre à attendre ce que Dieu a en réserve pour ta vie. Laisse-toi conduire dans ta relation avec Dieu. C'est ta force du quotidien et c'est là la paix de Dieu qui va s'installer dans ton cœur parce que la situation que tu vas rencontrer, même si elle peut être te dépasser, la paix qui est en toi va te conduire et va te donner la force nécessaire d'aller jusqu'au bout. Alors reste calme et tranquille parce que Dieu est avec toi. Juge 6, verset 12 j'aimerais te de le donner de la part de Dieu, l'éternel est avec toi, vaillant héros. Ne doute pas, avance, parce que Dieu est avec toi, et la victoire est assurée. On va prier. Merci Seigneur parce que tu es avec nous, et c'est ce qui fait toute la différence. Merci pour ta parole. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit. Merci Seigneur mon Dieu pour notre relation que nous avons avec toi. Merci Seigneur pour la prière. Merci Seigneur parce que tu es celui qui nous accompagne. Je te loue, mon Dieu, parce que la foi que tu as mis en nous, elle triomphe du monde. Et nous nous appuyons pas sur nous-mêmes, mais sur ta parole. Merci de bénir mes frères et sœurs qui écoutent cette émission, Seigneur, qui soient fortifiés aujourd'hui et qu'ils puissent voir, Seigneur mon Dieu, que le fruit qu'ils portent, Seigneur, est un bon témoignage. Merci Seigneur de les encourager dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, se retrouve la prochaine fois.